janvier 2015. De nombreuses associations se sont réunies au COSEC pour la cérémonie d'ouverture de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations étudiantes. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir pour la 4e édition de l'événement de l'Université Lille 1, la CAN d'Afrique, qui est le plus grand événement de la région du Nord-Pas-de-Calais et le premier de toutes les universités françaises. Donc notre programme est... Donc on vous fera découvrir les traditions ainsi que les cultures de quelques pays d'Afrique, telles que dégustation, danse, musique, etc. Donc il sera suivi par un tirage au sort des pays participants. Créé en 2012 et organisé par le SWAPS et l'Association sportive du Lille 1, elle regroupe 16 nations africaines qui se sont rassemblés pour des rencontres fortes en émotion, en performance, et un tournoi durant lequel les étudiants pourront s'épanouir dans un domaine qui les passionne, le futsal. Cette cérémonie d'ouverture a été l'occasion de présenter de la musique et des danses traditionnelles venus de cet autre continent. S'y sont également présentés quelques artistes locaux. Donc la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations entre les étudiants. Cette année, c'est la 4e édition qu'on organise le tournoi de la Coupe d'Afrique. C'est le premier événement dans le Nord-Pas-de-Calais et la première dans toute l'université française. La Coupe d'Afrique, c'est un message de regroupement et d'intégration entre les associations africaines. Ce tournoi il est ouvert pour tous les étudiants dans le Nord-Pas-de-Calais ou toute la France. Comme vous voyez ce soir, on a reçu 16 associations, plus que 20 associations, 16 qui vont participer avec nous et 4 qui étaient avec nous comme organisateurs. Je remercie le service sportif, je remercie l'association sportive pour ce projet en général qui a été objectif de rassembler le maximum des associations. Et voilà, donc je remercie les services sportifs, je remercie l'association. Vive l'Afrique, vive la France et vive l'Île 1. La soirée s'est poursuivie par un match d'ouverture entre le Sénégal et la Guinée.
Sénégal, la Guinée-Conakry 0, reste 2 minutes. Le week-end suivant, les matchs de poule et les demi-finales sont poursuivis. Donc la Mauritanie 1, il Maurice 1, le Maroc 5, RDC 0. Donc terrain numéro 1, arbitre. Arbitre terrain numéro 2, zone. Donc sur terrain numéro 1, la Côte d'Ivoire contre Guinée-Conakry. Et sur terrain numéro 2, l'Égypte contre Gabon. Arbitre terrain numéro 1, c'est bon. Arbitre terrain numéro 2. Terrain numéro 1, l'équipe nationale de Burundi contre Congo, Brazzaville. Terrain numéro 2, Mali contre Rwanda. Terrain numéro 2, arbitre, c'est bon? Numéro 1, la Guinée-Bissau contre la Côte d'Ivoire. Arbitre, Ousmane. S'il vous plaît, on va vers les hymnes nationales. La finale va opposer la Tunisie au Maroc. Oh.
c'est la Tunisie qui a remporté la coupe 2-1. Félicitations à la Tunisie, félicitations à tous les équipes finalistes des 4 premiers. Donc la Coupe d'Afrique contre les étudiants, la 4e édition, est bien passée. Donc vous voyez la Tunisie champion d'Afrique entre les étudiants pour la 4e édition. Et voilà, donc je remercie tous les associations participantes, je remercie tous les étudiants de Lille 1, de Nord-Pas-de-Calais, toute la France. Félicitations à l'équipe nationale de la Tunisie, félicitations à les 4 finalistes pour la qualification de tournoi européen. Et voilà, donc je remercie le service sportif, je remercie le président de la fac, je remercie la vie étudiante et je remercie l'association sportive. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Bon, bonjour. La Coupe d'Afrique s'est bien passée, l'organisation elle était impeccable. Et je remercie Basta d'avoir organisé, fait tant d'efforts pour organiser cette Coupe d'Afrique. Et voilà, on est champions. Ouais!